Salut tout le monde, ici ChrisBlack38 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 3 pour un petit multijoueur sur la map Opération Métro. Donc j'espère que cette fois-ci je ferai une partie un peu mieux, sachant que tout à l'heure dans la journée j'ai pu faire quelques parties en essayant le pompe, donc le 870 MC il me semble, hein. Sur BF4 c'est celui-là, mais sur BF3 je sais plus. Et j'ai pu quand même faire pas mal de kills, donc j'ai dû m'en faire au moins 6 ou 8 sur un score de 10, enfin sur... nombre de fois que je suis mort quoi. Donc ça fait du 6-10 ou du 8-10. C'est déjà mieux que ce que j'ai fait sur la vidéo précédente, où là j'ai dû vraiment faire un score de merde. Bref, je vais essayer de m'améliorer cette fois-ci. Ça dépend des parties également, parce que bon, il y a des joueurs ils sont plus ou moins forts et d'autres moins. C'est clair que c'est plus facile de les avoir. Sachant que le seul truc qui me pose un petit peu problème, c'est la sensibilité quand je vise. Elle a tendance à trop partir en couille, c'est un truc de barge. Donc je vais quand même essayer de faire avec. Et sinon va falloir vraiment que je m'y intègre quoi. Alors par contre, ce que je vais peut-être faire un petit peu, c'est est-ce que je baisse un petit peu le son? Ouais, je pense que je vais baisser le son. Allez. Par contre, je vais pas jouer à celle-là. Je vais jouer. Voilà, c'est le MCS plutôt. Moi je vais jouer à ça, puis on essaiera le pompe. Si vous êtes gentil. Alors, par contre, je vais. Le son. Ça a été un peu fort là sur le coup. Je sais pas vous, mais je crois que le son était déjà diminué. Mais j'ai... ça m'a explosé les oreilles. Ah, les petites grenades. Je sais pas pourquoi j'ai lancé. Si je me fais un kill, tant mieux. Si je m'en fais pas, tant pis. Oh là là. Le son m'a l'air grave fort. Ouais. Attendez, deux petites minutes, je vais faire une pause. Donc les amis, voilà, j'ai pu régler le son, sauvegarder les paramètres sur le moniteur. Enfin, pas le moniteur, le truc Windows là. Enfin bref. Je suis sûr qu'il y a des ennemis ici. Je vais me faire exploser la gueule comme d'habitude. Ouais. Il faut combien que je rigole? Ouais bah oui bah. C'est normal. Le gars joue lance-grenade. Merci pour la réanimation mon ami. Waouh, je me suis fait un kill sur tout ce qu'il y avait en face de moi. Wow. Moi je vous dis, quand je me démerde pas mal des fois. Je remercie le gars qui m'a réanimé. C'est quoi ça? Il y a juste sa tête qui le dépasse. Je le touche, mais il n'y a pas de tir en pleine tête. C'est normal. En plus, le mec, il a une sulfateuse. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, il m'énerve, les chiens d'aboyer, là. C'est assez casse-couille. Désolé, hein. Je peux pas faire grand-chose, malheureusement. Vous savez, dire ta gueule à un chien, pour lui, c'est ta gueule pour toi, en fait. Bon, je joue lance-roquette, je sais pas pourquoi, mais bon. Je suis une pute. Bon, deux petites minutes, je vais faire une pause parce que les chiens m'énervent. Bon, les amis, j'ai pu essayer de lui faire fermer sa gueule, mais je vois que ça a pas vraiment marché. Donc, bon, elle va se calmer tout seul, c'est juste qu'il y a des personnes qui sont passées devant chez moi. Donc, désolé pour le dérangement. Alors. Oh putain. Oh putain. Oh là 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 là, non, je dégage d'ici. Ok, le mec, t'as trouvé un bon endroit. Tu veux que je te rejoigne? Un petit peu de place pour moi. Et qu'il a posé sa sulfateuse avec le bipi et tout. Je la donne, tranquille. Allez. Bon. Je l'avais vu à gauche, je l'avais vu. Putain, je me suis fait allumer. Genre sévèrement. Non, je vais pas être dehors, je vais aller. Le point le plus près, c'est Charlie, donc. Vaisseau plateforme.
Putain, ça allume. Ah, les grenades, c'est pour ceux qui sont en face. Ok. Élimination assistée. Super. Comment ils se font? What? Non, 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 c'est pas possible ça. Oh, attendez. Oh, putain, il y en a une autre qui arrive. J'ai lancé une grenade, j'ai fait que 31 dégâts, là, tu lances une grenade, même pas à 3 mètres de moi, et je me fais buter d'un coup, c'est... J'ai cherché l'erreur, sérieux. Oh, il y a un sniper là-bas. Ouais, des grenades qui volent de partout. Il y en a un, il est passé devant, je me suis bouffé mon roquette. Merci. Merci, merci, merci. Je sais pas comment on fait comme sur BF4 pour dire merci. Parce que je suis très très poli pour les gens comme ça. Et je vois énormément l'objectif de vouloir être réanimé. Parce que quand je vois un putain de joueur de Call of qu'il est médoc et que le mec, il était mort juste devant lui, mais qu'il fait rien du tout. Alors ça, je te dis pas, ça me fait rager. Mais moi qui est un ancien joueur de Call of, je me suis tellement habitué aux objectifs de jeu. Des BF, donc bah maintenant je me considère plus comme un joueur de BF que de Call of. Mais bon, je veux dire Call of c'est toujours pareil. C'est pour ça que je fais pas de Call of sur la chaîne, parce que bon, personnellement pour moi c'est pas un jeu qui m'attire énormément. Auparavant oui, peut-être quand j'étais gamin, mais là franchement non. J'ai pas un jeu que je rejouerai, puis vu le nombre de rageurs et tout ça qu'il y a et tout, franchement ça en vaut pas la peine. Je préfère jouer sur un jeu comme ça où je suis sûr que tu t'emmerdes pas au bout de 5 minutes, que sur un jeu où tu fais que dalle pendant une demi-heure, là t'es à part tirer sur des gonzes, faire du party snipe ou je ne sais quoi avec des rageurs. Non non, ça je trouve ça complètement débile. Donc moi perso je préfère me mettre à BF. Après vous, je sais pas, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Que ce soit positif ou négatif, pour moi ça ne change rien. Chacun son opinion. Oh putain. Chacun son opinion, je vais me le mettre là où je pense. Putain, il y en a plein qui veulent essayer de passer sur la droite là. Ok. Je me fais vraiment un score de merde. Hein. Putain. 2-3, 2-4, mais non, ça va encore. Il y a quand même pire, j'ai connu pire, bien plus pire que ça. Non, les spawn kills, ils ont de plus en plus moyen de passer. T'sais. J'aime bien parce que sur BFK je me fais plein de kills à la grenade, et là quand je veux en faire, et ben... Oh, j'ai vu la grenade arriver sur moi là. Mais... S'il te plaît, mais regarde ça, où elle est la grenade? La tête de moi, non. C'est pas gentil, c'est pas gentil. La grenade, elle est à 10 mètres de moi, elle me touche. Chercher l'erreur, sérieusement. Bref, moi je vais essayer de me mettre allez, médoc. What the fuck, mais carrément j'ai apparu tout au bout. Je suis médecin, oui. Ouais, moi aussi je suis médecin. Mon très cher. Allez.
putain, la grenade, je sais pas vu où elle a éclaté, il va quand même toucher le pneu. S'est fait péter. S'il s'est fait péter, moi aussi je me fais péter. Le gars va essayer de faire le tour. Regardez ça, il se casse en courant le pélo. Oh. Non, je voulais me le faire, t'aurais dû me laisser. Oh putain, il y a un sniper juste devant moi. L'ennemi a réussi à se rapprocher, ça c'est pas bon. Je vous envoie des trousses les gars. Franchement le kit médoc, c'est pour moi c'est le meilleur kit parce que quand vous lancez une trousse, bah il y a tout le monde qui soigne et je peux vous dire que les points ça en fait. Je vais pas pleurer pour ça. Enfin bref, allez, let's go. Oh mais arrêtez de boucher l'entrée là, putain. C'est casse-couille les mecs comme ça. Il est pas tout seul là sur la map. Hein. Ok. Notre espace. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. J'avais vu l'accent aussi. Bienvenue dans mon pays. Et oui. Bref, allez. Nico, j'aimerais bien bouger de là, mais ça n'y a pas moyen. Putain, quand vous voyez les mecs, il y a des explosions de partout, ils vous touchent comme ça et tout. Moi, j'essaie de faire ça, mais putain, je me fais exploser la tronche. Mais moi, je vais pas me faire un kill. Et il y a deux gants en face, là. Voilà. C'est normal, ça, c'est moi qui... N'importe quoi. Grenade pour toi. Cadeau du Père Noël. Putain, il y a une mouche qui m'emmerde. Je vais la taper, ça continue. Merde. Puis c'est un putain de sniper. Juste là. Ok, non mais depuis quand ça tire à travers les murs, ça c'est comme Call of. Ça c'est en BF4, on l'a pas. Les balles on les voit bien rebondir juste devant. Ah merci. Merci, merci. J'aimerais tellement te dire merci sur le chat, mais je peux pas. Oh putain, ça c'était dangereux par contre. Il y a une mouche qui m'emmerde depuis tout à l'heure. Je peux pas me concentrer tranquillement. J'aimerais bouger d'ici là. Je fonce. Oh putain le saut que j'ai fait. Oh là 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 là, c'est pas bon là, il y a plein d'ennemis qui se la radent. Qui se la ramènent là. Allez, 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 allez. Je suis à l'avance ou moi comme ça. Oh, oh, il s'est bouffé cette grenade lui. Putain, ils sont tous des kills à la grenade. Moi je lance une grenade. Assistance. Putain, il y a plein de snipers là-bas. Faire comment? What? C'est quoi ça? Comment on casse? Voilà ce que ça fait quand on tire comme un cassos. Et ouais. Et ouais. Merci mon cher. Eh ben non, bah pas merci. J'essaie de jouer au snipe là, juste pour les snipers que j'ai. Oh, c'est quoi ce snipe?
Ok. Je l'ai touché mais je l'ai pas tué. C'est quoi ces conneries? Ok. C'est pas une mitraillette le sniper. Quoi ce jeu snipe sérieux? Ah, vous avez vu le sien hein, comment les faire? Ça se voit que c'est le mec qui joue qu'à ça. Moi je vais abandonner l'idée de. Je peux pas ouvrir. Non. Non, non, non. Putain! Oh, les mecs font mal. Allez, je crois qu'il y a un truc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais essayer alors, je vais essayer long. Je vois le pompe comme il est énervé. Oh mais j'ai pas fait gaffe qu'il y ait d'autres armes, tiens on va essayer celle-là pour voir. Oh là là, tiens une femme à ce machin. Ah bah en même temps ça doit être ça. Regarde derrière la tête. C'est pas bon. Ouais, je me suis fait un kill. Alors lui il est arrivé, il m'a fait un scope en pleine face. Elle est pas mal cette arme, putain. J'ai mis un tir en pleine tête. Putain. Allez, grenade. Oh, je me suis fait un mec. Putain, je m'en fais des points. C'est ça que j'aime bien avec ceux qui sont. Putain, je suis un vrai taré. J'ai cru que j'étais mort. On a un cadeau. Et des mecs, c'est des vrais tarés. On est vrai. Attendez, deux petites minutes. Allez. Il y a mon chat qui me tenait accompagné pendant tout le gameplay. Il s'est ramené. Putain, j'ai carrément lancé la grenade dessus. Ouais bah putain, j'en lance des grenades. Comment se faire des kills? Eh bah putain. Allez, bouchez de l'or. Putain, le réflexe.
pourrais pas lancer des trousses de... Oh putain, il a pas vu la grenade. Il s'est fait exploser la face. Putain, ça saute là-haut. Allez, 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 allez. J'y vais, qu'est-ce qui m'arrive? Je me fais exploser. Merci. Comment je savais? Je savais que j'allais me faire animer parce que... Tout simplement, depuis tout à l'heure, je vois des mecs qui raniment mes alliés là quand ils crèvent, donc... Bon, par contre, c'est peut-être pas trop tôt. Lance-patate, sérieux, allez. Allez, con. Putain, mais... C'est bien, ça, on peut se faire animer plusieurs fois. Il n'y a pas des caisses de munitions là par là que je vais lancer une grenade dans la gueule, je sais que c'est un endroit là. Ah, je passe un peu partout. Putain mais... C'est qui se la prend? C'est moi. Mec, je sais même pas où il est. Et allez mon chien qui va s'y remettre. Désolé pour le dérangement encore une fois. La prochaine fois le chien je l'étrangle au moins comme ça je suis sûr que je l'entendrai plus. Déjà sur le flanc droit il n'y a rien. Putain, ça explose de partout, un truc de barge. Bon, je sais pas pourquoi, je vais prendre une balle dans 3 secondes. Ou pas. Oh là là. Quand je dis ça pète, nom de Dieu. Oh. Oh là, lui, il a disparu une balle bien placée, le PO. Non mais ils sont tous là-bas, ils sont tous là-bas. Oh là là. Bon bah, laisse tomber. Je me suis fait plomber. Oh, je suppose quand même que la partie est bientôt terminée. Allez, mangez ça.
Allez, bouge! Le mec il se met plein de mal à l'entrée. Putain, j'ai même pas le truc pour le réanimer, tu sais. Oh putain. Les grenades elles explosent très vite sur le jeu, c'est un truc de fou. Putain, j'en suis fait un seul. Merci, 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 merci pas. Je me suis fait exploser, genre sévèrement. Bon allez les amis, la fin de la partie approche. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, et bien surtout n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Et surtout aussi n'hésitez pas à me proposer des jeux, du gameplay, tout ça et tout, même des tutoriels. Là je vais vous préparer un deuxième tutoriel sur les configurations de cartes graphiques, un truc un petit peu plus précis sur la configuration, tout ça et tout, pour vraiment vous aider avec des conseils aussi. Parce que c'est vrai que je le dis pas mal sur mon autre vidéo, la toute première que j'avais faite. Voilà, donc là je vous donnerai quand même quelques conseils. Là, sur cette deuxième partie, je vais surtout pas trop me baser sur la présentation des paramètres, comment les mettre, tout ça et tout. C'est juste plutôt plus orienté sur pour vous donner des conseils pour bien faire tourner vos jeux, tout ça et tout. Je vous donnerai quelques petits conseils par exemple sur Battlefield 3, sur Minecraft également aussi. Et pas mal d'autres jeux je pense. Donc c'est une vidéo que je vais pas tarder à préparer. Donc j'espère quand même que ça va bien vous aider, bien vous servir tout ça et tout. Enfin bon bref, bon bah allez, peace les amis.